John Magufuli est né le 29 octobre 1959 et est décédé ce mercredi 17 mars à 18h à l'âge de 61 ans. Des suites d'une maladie cardiaque, il souffrait du cœur depuis 10 ans, a déclaré la vice-présidente Samia Hassan. Plusieurs fois ministre, il est le président de la République du 5 novembre 2015 à sa mort. Réélu en octobre dernier, avec plus de 84% des voix, le défunt président tanzanien n'avait pas été vu en public depuis 2 semaines. Suscitant des spéculations et interrogations, ces derniers jours, des rumeurs annonçaient déjà sa mort. Sa dernière apparition remonte le 27 février 2021, après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée. Mais il y a une semaine, le chef de l'opposition, Tundu Lissoui, en exil, en Belgique, avait commencé comme d'autres à s'interroger sur l'absence du président. Le 10 ans atteint d'une forme sévère de COVID-19, aggravée par des problèmes de santé. Arrivé au pouvoir en 2015, celui qu'on surnomme dans son pays le bulle désert a été relu pour un second mandat au mois d'octobre 2020. Des obsèques nationales seront organisées pour rendre hommage aux défunts. 14 jours de deuil national ont été décrétés.